Voilà, je crois que c'est bon, tu vas pouvoir, tu peux le refermer, ouais, c'est bon. Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour. C'est entre deux averses, donc avec un plaisir que j'aurais du mal à vous dissimuler. Entre deux averses, donc enfin, qu'on vous accueille sur le potager qui dit non aujourd'hui, pour assister à la récolte de nos oignons, hein, puisque ça y est, il est temps. De les récolter, donc bon, on a reçu le conseil ici encore une fois par des copains jardiniers sur le jardin proprement dit. D'autres, je pense à Jean-Pierre en particulier, je crois, nous ont conseillé d'attendre un peu peut-être, et en écartant un peu le risque de pourriture de ces oignons par le dessous du fait de la sécheresse. Sauf que là, voilà, il vient de bien pleuvoir, il y a déjà une journée ou deux, là, il a plu encore aujourd'hui, et je pense que le risque est de nouveau présent, hein, et donc, bon, puis, somme toute, voilà, ils sont prêts, quoi, ils sont prêts à être récoltés, là, nous, on en a besoin, par ailleurs, allez, on y va, quoi, il y a, pourquoi attendre, hein, donc voilà, on va voir un petit peu ensemble ce qu'on a pu obtenir comme oignon. A priori, c'est plutôt pas mal. Je vous rappelle qu'au moment de la plantation, on avait donc procédé sur des petits talus, et j'avais pris soin d'incorporer du sable, hein, sur les endroits où ces oignons allaient être plantés, de manière à obtenir un sol suffisamment filtrant, hein, puisque j'avais cru comprendre que ces plantes-là n'admettaient pas un sol trop rétenteur en eau, hein. Et donc pour rendre ce sol plus drainant, plus filtrant, voilà, j'avais incorporé pas mal de sable, du sable de rivière, hein, bien entendu, hein, de manière à ne pas non plus apporter de sel dans le sol. Et voilà, on va voir ensemble un petit peu ce qu'on obtient. Je vous le rappelle également, bien évidemment, ces oignons, à l'instar de tout ce qui a été planté ici, n'ont reçu ni traitement bien d'aucune sorte, hein, pas même de décoction naturelle ou quoi que ce soit, purin et autres, y a rien eu, rien du tout, ni engrais, d'accord, hein, on compte juste sur la qualité du sol pour essayer d'obtenir des plantes convenables, hein, des légumes et donc des récoltes ensuite convenables. Allez, on y va, on va regarder ça ensemble. Regarde ici. Voilà. C'est quand même de la belle plante. Alors, on a peut-être eu de la chance, hein. On n'a pas subi d'attaque particulière. Bon, il y avait un peu de rouille sur l'ail. Et là, sur les oignons, honnêtement, c'est plutôt pas mal. Je me demande quand même si je les ai suffisamment enfoncés dans le sol au moment de les planter, mais... Oh oui, je pense que oui, ça doit aller. Et puis avec ces petites pluies qu'on vient d'avoir, c'est plutôt facile à arracher. Ce qui a aussi de très enthousiasmant, c'est qu'on va se libérer de la place pour le coup, qui va nous permettre... Eh bien, de venir replanter d'autres choses. Je pense en particulier aux navets qui sont si chers à Séverine, et puis aux choux. Hein, je pense qu'on va pouvoir essayer de ressemer encore quelques choux en mini-motte, et puis de pouvoir les mettre de manière à les obtenir peut-être à maturité un peu plus tard, à l'automne voire début d'hiver. Ça sera bien. Bon, alors, c'est pas une réussite pour tous, hein. Alors, qu'est-ce qui explique que certains se développent fort et d'autres non? Ça, par contre, je n'en ai aucune idée. C'est-à-dire que c'est un... Je sais pas sur quel paramètre agir pour essayer d'avoir uniquement des oignons comme ça et puis pas trop des oignons comme ça, quoi. Voilà. Là, je sais pas sur quoi il faudrait agir pour... Enfin, dans l'eau, la majorité quand même sont clairement de ce gabarit-là.
c'est plutôt pas mal. Alors ces oignons ont été plantés en rang, alternés ici avec les carottes, là il y a quelques choux, avec les oignons qui sont entre deux, hein, ça a été le principe qu'on a adopté ici, hein, donc l'alternance entre les différentes espèces cultivées. Et bien entendu, alors vous ne l'avez pas peut-être perçu là sur le film, mais on se déplace de planche en planche. C'est-à-dire que tous les oignons n'ont pas non plus été plantés dans la même planche de culture. Ça c'est très important. En cas de problème, si problème toutefois il y avait eu, eh bien ça nous aurait permis d'éviter, je pense, en tout cas je l'espère, de limiter une propagation de ce problème à toute la culture. Hein, ça c'est vraiment important. Et puis ben voilà, quand je récolte des oignons comme celui-là, des oignons rouges ici, hein, tout à l'heure c'était des oignons jaunes, je peux pas m'empêcher de penser à ce film qui avait été diffusé sur France 2 il y a quelque temps, qui s'appelait La mort est dans le pré, hein, qui traitait du problème des pesticides utilisés par les agriculteurs, et puis des dommages occasionnés par ces pesticides. Et je repense à cet agriculteur, ma foi très courageux, qui témoignait justement au sujet de sa culture d'oignons, et qui répondait ceci à son collègue qui lui demandait s'il consommait ses propres oignons. Il lui répondait que non, il n'en était pas question, son épouse n'était pas d'accord. Et à la question suivante qui était « mais pourquoi donc ?» Eh bien, parce qu'elle savait tout ce qu'il y mettait, hein, à savoir environ 25 pulvérisations par an, hein, de pesticides, hein, 25. Hein. Voilà, cet oignon-là, il a rien reçu, et bien ma foi, on en est très content, quoi. Hein, c'est, je pense quand même que ça fait réfléchir, un petit peu. Allez, on y va, on continue. Oignon rouge, dont je pense qu'il va falloir les consommer, si j'ai bien compris, en primeur, hein, et puis les oignons jaunes après, puisque les oignons jaunes devraient normalement, des jaunes de Mulhouse, devraient normalement se conserver plus facilement que ces oignons rouges, hein, voilà. Non, mais... J'essaye. Voilà donc notre récolte pour cette année au niveau des oignons. Ben, on est quand même plutôt content, c'est notre première année, faut pas l'oublier, on a absolument aucune expérience, on a fait beaucoup de bêtises, je vais encore vous montrer un exemple d'une connerie qu'on a pu faire avec deux choux qu'on a plantés beaucoup trop près l'un de l'autre, et clairement ça marche pas du tout. Enfin, il y a un problème d'espace évident, qui n'était pas pour moi en démarrant, puisque je ne connaissais pas le développement de ces choux, et ça fait partie des bonnes leçons qu'on prend pour l'année prochaine. Voilà donc pour ces oignons, encore une fois, sans intrants, hein, ni traitement, ni engrais, juste quelques mesures prophylactiques. Alors la prophylaxie, c'est quoi? Eh bien, c'est en quelque sorte tout ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre de manière à éviter les problèmes, notamment phytosanitaires, chez nos plantes. Hein. Le fait d'avoir obtenu un sol suffisamment drainant, par exemple, un espacement correct, une surveillance un peu, la cohabitation aussi avec d'autres plantes qui vont bien, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des mesures prophylactiques. Hein. Et manifestement, ça suffit à obtenir des récoltes satisfaisantes. Alors ça, c'est une échalote que j'ai arrachée par erreur en la prenant pour un oignon. Et je l'ai prise pour un oignon à cause de sa taille. Donc là encore, je crois que ça augure une très très belle récolte au niveau des échalotes. Ce sera pour un petit peu plus tard. Alors, bienvenue pour un petit tour dans la jungle. Ça se développe très très fort, vous m'aviez prévenu, hein. Effectivement, c'est vigoureux tout ça. Le point positif, c'est que c'est aussi très fructifère. Il y a beaucoup de tomates. Cette plante-là, qui me semble être un concombre, et pour le coup, je suis à peu près sûr, a commencé à fructifier aussi. Vous pouvez voir ce que ça donne comme fruit pour le moment. Et celui-ci, dont on a parlé précédemment, alors les avis divergeaient, on me parlait de potimarron,
mais aussi de potiron, alors jaune de Paris, je crois. Et il est évident que ça commence à, regardez, on commence à avoir un fruit là qui fait son poids, hein. Il va peut-être falloir que j'envisage un système pour le soutenir un petit peu, d'autant plus qu'il n'est pas tout seul, qu'il y en a un second qui arrive ici, et j'ai même cru déceler un troisième fruit, voilà, ici, en cours de formation. Ça va peut-être commencer à faire un peu lourd pour la plante, quoi. Donc, je vais peut-être essayer d'imaginer un petit système de hamac, comme on me l'avait suggéré dans un commentaire précédent. C'était une très bonne idée. Ou alors décrocher la plante et la poser, mais là, vu l'occupation au sol, ça me paraît un petit peu compliqué. Voilà, hein, ça se développe bien. Et ce que je voulais aussi vraiment partager avec vous, c'est le fait que je ne respecte pas toujours ma parole. Et bien que j'ai prétendu dans une vidéo précédente ne pas tailler mes tomates, j'ai quand même procédé à une très très légère taille, vraiment succincte, hein, sur les feuilles du bas de certains de ces pieds ici. Alors tous les pieds n'étaient même pas concernés d'ailleurs, hein, mais certaines feuilles avaient vraiment tendance à se tenir prostrées très près du sol, et ça me compliquait vraiment le travail d'arrosage. En avançant en saison, il est de plus en plus important, primordial même, de faire attention à ne pas trop arroser le feuillage. Et là, c'était vraiment compliqué dans ces conditions. Vous pouvez facilement l'imaginer en voyant l'état de la serre, hein, telle qu'elle est aujourd'hui. Donc j'ai quand même procédé à une petite taille des feuilles du bas, mais alors de manière très très légère, hein, très très légère, et uniquement là encore finalement dans le but de d'établir une mesure prophylactique, un peu comme j'en parlais tout à l'heure pour les oignons, hein, c'est-à-dire comment veiller par des opérations simples, eh bien à limiter l'apparition du problème avant d'avoir à le traiter, quoi. Donc là, en l'occurrence, ça a été par la suppression de certaines feuilles qui sont très très près du sol. Enfin, je vais pas dire qu'elles rampaient, mais c'était presque ça. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. C'est de nouveau dans la serre que je vous quitte. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois au potager qui dit non. Ciao, ciao! C'est au milieu de notre gazon fleuri qui évolue du bleu vers le rouge que moi je vais vous dire au revoir. Je vous quitte et je vous dis à bientôt. Au revoir!